Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله. لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Donc aujourd'hui, nous terminons notre programme avec l'étude du livre Les animaux dans le Coran. C'est la dernière histoire que l'on raconte aujourd'hui. On verra. Si vous êtes sage, il y aura des autres histoires. Mais vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un bon comportement de la part de la classe, je ne sais pas si la semaine prochaine, il y aura des histoires. Je vais réfléchir. Donc profitez de cette histoire, qui est une histoire magnifique, qui est l'histoire de l'éléphant. L'histoire de l'éléphant et du grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors sachez, chers enfants, que toutes les créatures obéissent à Allah. Toutes les créatures obéissent à Allah. Mais est-ce que les animaux ils obéissent à Allah? Eh bien oui, même les animaux, ils obéissent à Allah. Même le soleil, il obéit à Allah. Même la lune, même les étoiles, elles obéissent à Allah. Même la mer, le vent, les nuages, les anges, la terre. Toutes les créatures obéissent à Allah. Et on avait vu dans plusieurs histoires que même les animaux, ils obéissent à Allah. Qui peut me donner un exemple d'un animal qu'on a vu dans les histoires qu'ils obéissent à Allah? Kaina? Les fourmis, très bien. Ensuite, Mariam? L'éléphant, comme on le verra. Les oiseaux, très très bien. Les corbeaux, très très bien. Alors, on n'en a pas cité, mais oui, Naam. Les loups, non. Oui, bien sûr, ils obéissent, mais on n'a pas cité une histoire. La baleine. La baleine, très très bien, la baleine. Ça s'appelle pas la colombe. Ça s'appelle El Hodhod, la huppe. D'accord. Et là, nous allons voir aujourd'hui. Le chien. Chut, nous allons voir aujourd'hui qu'un éléphant et des oiseaux ont combattu un tyran, un homme qui était très 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 méchant. Est-ce que vous voulez écouter l'histoire? Oui. Alors levez vos mains et dites chut. Cette histoire s'est produite, s'est réalisée l'année
où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Ça veut dire qu'il est né quand? Il est né l'année de l'éléphant. D'accord? Il est né l'année de l'éléphant. Et durant cette année, dans une ville qui s'appelle Sana'a, dans un pays qui s'appelle le Yémen, il y avait un roi qui s'appelait Abaraha. 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 Abaraha était un homme très méchant. Et il était très jaloux. Et Abraha, il était jaloux de la Mecque. Et il était jaloux de la Kaaba. Et il a dit, pourquoi la Kaaba, elle se trouve qu'à la Mecque? Moi, je veux que les gens, ils vont plus à la Kaaba, mais ils viennent dans ma ville. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les gens, ils allaient du monde entier. Ils allaient à la Kaaba. Et à la Kaaba, il y avait du commerce. Et les gens, et lui, il était jaloux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une kanissa. Il a construit une église, un temple, l'Iqlis. Et il a dit, tout le monde ne venez plus à la Kaaba, mais venez dans ma ville. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Mais les gens ont refusé et ils sont restés. Ils sont restés à la Mecque. Et là, les Arabes qui vivaient à la Mecque, ils étaient très en colère que Abraha avait voulu construire une fausse Kaaba, qu'il avait voulu construire son église pour, parce qu'il était jaloux de la Mecque. Et là, il y a un Arabe de la Mecque, il est parti jusque dans son pays. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris des poubelles et il les a jetées dessus. Et il a même fait pipi sur son temple. Et là, Abraha, il est devenu fou de jalousie. Et il a décidé d'envahir la Mecque et de casser et de détruire la Kaaba. Abraha, il a commencé à réunir son armée avec des milliers d'hommes, des chevaux, des chameaux. Et là, Abraha, il avait un ami qui était en Éthiopie, un roi. Et ce roi, il lui a dit, je vais te ramener des éléphants. Et il a pris 6 éléphants. Et avant les éléphants, les gens ne connaissaient pas. Et il a commencé. Et il est arrivé sur la route de la Mecque. Dès qu'il passait par une tribu, il tuait les gens. Il cassait tout. Il brûlait tout. Il faisait le tyran. Il a tout attaqué. Et lorsqu'il est arrivé à l'entrée de la Mecque, il a dit, je veux parler avec le chef. Avec le chef de la Mecque. Et le chef de la Mecque, il s'appelait Abdul. Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, c'était le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était lui qui devait s'occuper de protéger la Kaaba. Et qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il a dit, n'ayez pas peur de lui. Allez vous réfugier et vous cacher dans les montagnes. Moi, je vais aller le voir. Et Abdul Muttalib, il est resté devant la Kaaba et il a fait des doigts. Et il a demandé à Allah, tabaraka wa ta'ala, de protéger la Mecque et de protéger ses habitants. Ensuite, Abdul Muttalib, il est parti voir Abraha. Et il lui a dit, Abraha lui a dit, moi je viens pour détruire la Kaaba. Et Abdul Muttalib lui a dit, écoute, moi je te demande une chose, c'est que là où tu t'es installé, il y a mes moutons.
Moi, je veux que tu me rends mes moutons et comme ça, je peux partir. » Et là, Abraha lui a dit, « Quoi ? C'est toi qui dois protéger la Kaaba. Moi, je te dis, je vais casser la Kaaba et toi, tu me parles de tes moutons. » Et là, qu'est-ce qu'il a dit à Abdul Muttalib? Il a dit, « Moi, je suis le chef de mes moutons. » Mais la Kaaba, elle a un seigneur. La Kaaba, elle a un chef. C'est qui le seigneur de la Kaaba? C'est Allah Azza wa Jal. Et il a dit, « Walil bayt rabbun yuhmi. » Et la maison, la Kaaba, elle a un seigneur qui va la protéger. Et là, il a commencé à avancer avec ses éléphants. Mais là, il avait notamment un éléphant qui s'appelait Mahmoud. Et Mahmoud, cet éléphant, il n'a pas voulu avancer. Quand il le mettait, quand il le tirait en direction de la Kaaba, il n'avançait pas. Quand il le tirait de l'autre côté, il reculait. À droite, il allait. À gauche, il allait. Mais il ne voulait pas. L'éléphant ne voulait pas aller à la Kaaba. Il ne voulait pas avancer. Et là, ils ont entendu un bruit énorme. Ils ont levé la tête. Et là, Allah Azza wa Jal, lui, il est venu pour détruire la Kaaba avec un grand animal, qui est l'éléphant. Et Allah, il a puni avec un tout petit animal, qui est l'oiseau. Allah Azza wa Jal, il lui a envoyé Tayran Ababil, beaucoup d'oiseaux. Et chaque oiseau, il y avait des pierres dans sa bouche, dans son bec. Et tous ces pierres et tous ces pierres et toute l'armée, toutes les pierres sont parties et allées dans l'armée et Allah Azza wa Jal les a tous détruits. Allah Azza wa Jal les a tous détruits. Et c'est comme cela que Abdul Muttalib, il avait dit, Abdul Muttalib, il avait dit qu'Allah Azza wa Jal allait protéger la Kaaba. Et ensuite, les habitants de la Mecque, ils ont vu cela et ils se sont tous réunis autour de la Kaaba pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala de les avoir protégés. Et cette histoire, Allah Azza wa Jal l'a citée dans le Coran, dans Sourate Al-Fil. Donc on va la répéter ensemble pour ceux qui la connaissent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Donc Allah Azza wa Jal dit, ألم ترى كيف فعل ربك. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi? Bi ashab il fil, avec les gens de l'éléphant. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Allah Azza wa Jalla leur a envoyé tayran ababil. C'est quoi tayr? Les toyur. C'est les oiseaux ababil. Ils étaient beaucoup. Tarmihim bi hijara min sijil. C'est quoi le hijara? C'est des pierres. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Et à la fin, l'armée, elle était écrasée. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.